Bonjour. On va écouter une chanson, hein. Je n'ai aucun droit d'auteur sur les chansons. Romy Vautrin. Invitez vos amis. Maman Bibi la baronne. Partagez la vidéo. Marcel Touré. Moi je suis complètement muselé par Facebook. Faut pas me piter dans le dos. Invitez vos amis. Faut pas me piter dans le dos. C'est toi que j'ai choisi parmi toutes les femmes. Ne me pique pas dans le dos. C'est toi que j'ai choisi parmi toutes les femmes. Faut pas me piter dans le dos. Invitez vos amis, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. YouTube Naomi Bentidé. Abonnez-vous, hein. Allez, bé le coin. Là, je commence. Je suis verrouillé de jour en jour par Facebook. Je ne peux même pas les gens n'arriver à. Donc, je suis en train de voir. Faire directement sur YouTube désormais. Donc abonnez-vous massivement comme ça. Je pourrais faire des Non, allez, la Félicia le 17, tu balais. Oh, c'est du balaise. Non. Tu n'es pas au Félicia samedi, tu n'as qu'à devenir mouton. Si tu as appris bien que tu n'es pas au Félicia, il faut devenir mouton. Sans pour la draguer, il faut t'inquiéter. Tu as appris bien, tu n'es pas au Félicia le 10, tu n'as qu'à devenir mouton. Invitez, partagez. J'ai l'impression aussi que de votre côté aussi, vous avez du mal à partager, je ne sais pas, mais. Donc il faut partager. Parce que sont faire des directs qui passent pas, si les gens ne reçoivent pas, ça ne sert à rien. Il faut bêler le coin. Ça y
Soyez salués, soyez salués, soyez salués. Bon, on va faire qu'une seule chanson. Hein. On va vite parler parce que... Merci d'être connecté. Merci d'être connecté sur ce direct. Agnès Koudou, sois saluée depuis ta position. Agil dit big up à toi, bisous là-bas. Marie-Chantal Bléou, sois saluée. Soyez tous salués. Yasmina Chérif, Ouattara, sois saluée. Soyez tous salués. Je fais ce direct-là pour dire aux Ivoiriens d'être sereins. Pour dire aux Ivoiriens que le samedi, c'est le début de la libération. Et même ça peut être la libération. Parce que les Ivoiriens aujourd'hui sont déterminés. Les Ivoiriens aujourd'hui sont prêts à aller au charbon. Les Ivoiriens aujourd'hui sont prêts à mourir pour leur patrie. On ne peut plus laisser la Côte d'Ivoire comme ça. On ne peut plus. Nous sommes tous les docteurs de la Côte d'Ivoire qui est malade. Nous sommes tous prêts aujourd'hui pour chasser Dramane Ouattara hors de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela, le 10, nous demandons à tous les Ivoiriens, à tous les Panafricains d'aller vers le stade Félix Houphouët-Boigny pour dire non à cette imposture qui est en préparation de Dramane Ouattara. Famille, tout le monde a les yeux rivés vers le Félicia. Nous avons fait le maximum de travail ici en Occident en disant aux gens que Dramane Ouattara était un tueur. Donc là, tout le monde regarde vers le Félicia. Dramane ne peut plus rien faire. Même s'il n'y a pas de cas, frère, pour ta libération, tu peux marcher. Marcher, essayer de trouver une occasion de vous rapprocher, du plateau. Aller habiter, aller pour cette occasion exceptionnellement chez des amis, de la famille qui est proche du plateau, pour que vous y soyez à l'heure. Même si vous ne connaissez personne, vous pouvez quitter Yopougon, faire même 3 heures de marche. Pour la libération, c'est le sacrifice que vous pouvez expliquer à vos enfants. Plus tard, tu diras à tes enfants, j'étais là. J'étais là le jour de la chute de Dramane Ouattara, moi j'étais là. Vous marchez en groupe, vous y allez. En groupe là, on peut faire Yopougon, plateau. On peut le faire. Au temps du ministre Charles Blé Goudé, quand il avait appelé, moi, ma mère, elle était là. Ils ont marché de Yopougon pour aller. Donc faites-le. Il n'y a pas de plus grand sacrifice que ça. Ça là, vous pouvez le faire. C'est comme si tu as ton parent malade, tu as ton enfant malade. Qu'on dit, il faut marcher de Daloa, même à Abidjan, tu vas le faire pour que ton fils retrouve la santé. Il faut le faire. Actuellement, ils ont peur. Ils ont tellement peur qu'ils envoient des gens, des pseudo-chanteurs à Salfo, qui est en train de vouloir boycotter cette marche-là. Je ne vais même pas m'éterniser sur la Salfo, parce que c'est un homme de passage. À Salfo sait que ce qu'il est en train de faire là, il est en train de préparer son exil. Parce que quand Dramane Ouattara va partir, on n'acceptera plus la Salfo en Côte d'Ivoire. Ce pays-là même qui lui a donné la vie, ce pays par lequel il a été nourri, par le sang duquel il a, le sein duquel il a été nourri, aujourd'hui fait partie de ceux qui ont défiguré la Côte d'Ivoire. Ce monsieur-là n'a jamais eu le courage même de parler à Dramane Ouattara pour qu'il puisse aller à la réconciliation avec ses frères. Donc à Salfo, lui il sait ce qu'il attend. À Salfo, au moment venu là, il sait ce qu'il attend. Tous ces chanteurs qui sont sur la liste, qui y seront, ils peuvent dire adieu à leur carrière en Côte d'Ivoire. L'Ivoirien est très rancunier. C'est nous qui vous avons mis en haut. On peut encore vous mettre en bas. On vous regarde. Pendant que la Côte d'Ivoire cherche à sortir du joug colonial, cherche encore à sortir des mains du tueur Dramane Ouattara, vous êtes en train de boycotter, de maintenir les Ivoiriens en esclavage. C'est ce que vous êtes en train de faire. Les gens vont, vos amis, même Zouglouman, sont en train de faire un concert le même jour. Mais toi, Salfo, les dignes fils de Côte d'Ivoire font un concert, toi, tu préfères détourner les gens. J'appelle ici les gens de Yamoussoukro. J'appelle la population de Yamoussoukro. Ne rentrez pas dans ça. La Côte d'Ivoire, là, c'est votre Côte d'Ivoire aussi, comme c'est la mienne. Ne rentrez pas dans ça.
Même un concert gratuit, c'est une foutage, c'est un foutage de gueule. Qu'est-ce qu'il attendait pour vous faire ce concert-là? Attend-il que l'opposition se mette à faire... l'opposition demande à faire un meeting. Personne faut aujourd'hui va aller vous donner un concert gratuit. N'y allez pas. Si vous n'y allez pas, vous n'allez pas mourir. Votre dignité en vaut plus. N'y allez pas. Ce Burkinabé à Salpo là, s'il ne connaît pas sa place, on va lui montrer sa place. S'il ne connaît pas son village, on va lui montrer son village. Quand il se regarde là, il pense qu'il est Ivoirien. Il ressemble à un Ivoirien à Salpo. Il sait d'où il vient. Mais c'est normal parce que son frère Burkinabé à la tête de la Côte d'Ivoire imposé aux Ivoiriens. Donc lui marche dans le jeu. Il se soutient. Il ne peut pas enlever son pied derrière celui de son frère. C'est ça. Et ça, je trouve ça bien. C'est à nous désormais de voir ce qu'on fait, de réfléchir aux nouvelles règles qu'on va mettre en pratique en Côte d'Ivoire. Assane Fo, il est de passage et il va partir avec Dramane Ouattara. Donc vous les Ivoiriens, certains des chanteurs que j'ai vus, j'interpelle ici mon fils Ya Bongolova. Tu n'as pas ta place là. Tu es un jeune plein de talent, plein d'avenir. Peut-être aujourd'hui, ils t'ont proposé des millions de francs CFA. 10 000, 5 000, combien j'en sais, 5 millions. Mais ça ne vaut pas ce que tu aspires à avoir. Fais attention. Fais attention. Les Ivoiriens pleurent. Les Ivoiriens pleurent. J'ai interpellé ta maman ici aujourd'hui. Ta maman qui a une petite soeur qui est ici. Je l'ai interpellée. Fais attention. Parce que les Ivoiriens, c'est eux qui t'ont mis là-haut. Les Ivoiriens, c'est eux qui t'ont donné cette place-là. Les Ivoiriens, il y a aussi Dieu. Mais Dieu est passé par les Ivoiriens. Et c'est nous qui avons acheté tes CD. C'est nous qui t'avons mis au piédestal. On est les mêmes qui peuvent te mettre en bas si on est en colère. Ya Bongolova, ta place n'est pas parmi ceux-là. Ta place n'est pas parmi ceux-là. L'argent là, ça finit, l'homme finit pas. L'argent finit, mais l'homme là, il reste intact. Et nous laissons l'argent, on va laisser l'argent sur terre pour partir. Pendant que tes parents ivoiriens sont en train de pleurer, pour sortir de là où ils sont, va pleurer avec eux. Va pleurer. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, à Salvo, il est déjà riche. Hein? Entre ce qu'il a, les blancs bêtes achètent comme conneries qui chantent là. Et ce qu'il pompe, il pille avec son frère Dramane Ouattara, il est immensément riche. Donc, nous, si on ne paye pas ces CD-là, il en a encore pour vivre. Mais toi, Ya Bongolova, tu as encore ta carrière qui est devant toi. Et tu as beaucoup de choses que Dieu te réserve. Quitte dans leur plan de franc-maçonnerie, là, quitte dedans. Quitte dedans, je te demande pardon. Je te demande pardon. Quitte dedans. Quitte dedans. Parce que l'Ivoirien est très lent à la colère. Mais quand il se met en colère, quand il veut te casser, il te casse. On a vu des chanteurs aujourd'hui, mais où qu'est-ce qu'il est devenu? Il a voulu faire bras de fer avec nous. Aujourd'hui, il a compris. Pendant ce temps de bras de fer, il a vu ce qui a été sa carrière. Donc, Ya Bongolova, de grâce, ne nous fais pas mal. On a déjà assez mal, ne nous fais pas mal. Ne nous fais pas mal. C'est beaucoup d'argent. Je n'ai pas ça pour t'offrir. Sinon, je t'aurais donné cet argent-là pour dire n'y va pas. Mais la dignité, là, elle est immonéable. La dignité n'a pas de prix. De grâce, Ya Bongolova, n'y va pas. Laisse ces gens-là avec nous en découdre. Laisse-les en découdre avec nous. On est fatigué d'un pays comme ça. Quand eux-mêmes, ils ouvrent leur bouche pour dire que on envoie les enfants des gens à l'abattoir. Aller manifester, c'est l'abattoir. Okosisi Baba Nicolo, fais-moi la clé USB. J'ai appelé, j'ai dit, fais la clé USB, on va aller déposer devant Macron. Tous les films où ils disent qu'on va tuer, on va de leur bouvier là. Il y a beaucoup, j'ai déposé des clés USB, mais fais-moi-en les dernières. La déclaration d'Adjoumani, tout ça là, on va déposer. Des politiques qui résonnent de la sorte, on va déposer. Mais ce que Dramane Ouattara, c'est pas là. Là où c'est arrivé là,
c'est un moment de non-retour. C'est le même moment s'il avait un cerveau. Ah tiens, j'ai oublié qu'il avait une pile, le monsieur. Donc son cerveau, il a une panne de cerveau. Sinon, il aurait su que c'est le moment là où il est actuellement là. C'est au même moment le président Laurent Gbagbo disait à ses associés de quitter le pays. C'est là, là. Draman Ouattara, c'est le moment là, ça. Ton moment, c'est arrivé. Là, là, tu devais préparer comment fuir. Parce que c'est ta fin. On ne va pas te laisser. On ne va pas te laisser. Et le 10, là, j'appelle tous les Africains à se tenir debout, à être en éveil, à être debout, à l'écoute. Si Draman Ouattara touche un seul cheveu d'un Ivoirien, Paris va nous sentir. Il va pleuvoir sur Macron. Si Draman Ouattara était là-bas avec leur club de sorciers, avec leur club de sodomiseurs nationaux, là, ils sont partis là-bas, je ne sais pas ce qu'ils ont sorti, qu'ils ont compondu comme communiqué. Il n'y a que ceux qui savent ça. Il faut être un sorcier, un franc-maçonnique pour comprendre. Si tu comprends ce qu'ils ont écrit dans le communiqué, c'est que tu es un franc-maçon. Parce que ce qu'ils ont écrit là, moi je n'ai rien compris. Et je ne suis pas la seule. On ne peut pas laisser ce sanguinaire là, ce comme un psychopathe là, décider tout seul, dire, lui laisser la vie des Ivoiriens en main. On ne peut pas faire ça. S'ils avaient été fermes, ceux qui sont partis là, le troupeau d'animaux sans queue qui sont partis là, s'ils avaient été fermes avec Draman Ouattara, je crois qu'ils l'auraient compris. Mais comme ils sont partis pour chercher des mallettes que Draman leur a distribuées, des mallettes, ils n'ont pu rien faire, ils sont venus. Ils ont préféré partir avec leur gain que de perdre leur temps dans des trucs qui pour eux n'ont pas d'importance. Mais nous, on va en finir avec Draman. Mais quand ça va commencer, il ne faudrait pas qu'ils viennent nous emmerder. Quand ils vont entendre le gong, il ne faudrait pas qu'ils viennent nous distraire pour dire, venez, on va parler, on va continuer jusqu'à ce que Draman tombe. C'est de ça qu'il s'agit. Ça fait des années qu'on leur dit que ça ne va pas. Ça fait des années que les Ivoiriens sont tués et ils ne disent rien. Ça fait des années qu'on est affamé et ça ne leur dit plus rien. Donc nous, là, on va aller chercher notre liberté. On va aller au charbon. Qui t'a payé pour de notre vie, on va le faire. Toute liberté, là, toute libération, là, c'est comme ça. Il y a des gens, des sacrifiés, et il y a des gens qui en profitent. Donc, famille, restez à l'écoute, restez à l'écoute. Toi qui es partout, Rouen Eko, sois salué, Frangine. Toi qui es partout où tu es, ne dis pas que tu n'as pas de transport pour aller au Félicia. Ton pays t'appelle. C'est ton sacrifice à toi. C'est ce que tu peux donner toi comme sacrifice. Victoire Blo Bagua, sois salué. C'est ce que tu peux donner. Tu peux marcher, même dernièrement pour aller au plateau. Tu peux le faire pour ton pays. Parce que Draman Ouattara veut fermer tout. Il ne veut pas que les bus sortent. Il veut, comment dirais-je, asphyxier les Ivoiriens. Il ne veut pas que vous alliez là-bas. Donc les moyens. On dit quand c'est dur là, ce sont les durs qui avancent quand c'est dur. Il faut être le dur qui passe dans les braises pour aller arracher la victoire. Il faut que tu sois parmi. Quand c'est dur là, quand tu seras devant tes enfants et que tu diras, nous là, on a quitté, comment dirais-je, ça sera une date importante. Oko Sisi, hola, quand je suis en direct, je ne sais pas si je peux regarder le WhatsApp. Ça va être compliqué, mon fils. Ta maman n'est pas douée. Hein? Elle n'est vraiment pas douée. Donc, famille, c'est le moment. C'est le moment. Oko Sisi, mon WhatsApp, bon, j'y verrai. Compliqué, ça risque de couper mon direct. Il faut m'écrire sur Facebook, comme ça je regarde de mon ordinateur fixe. Écris-moi sur Facebook. Parce que WhatsApp, si je vais, ça va être mélangé. Vas-y, écris-moi sur Facebook. Donc, c'est le moment, c'est ton sacrifice à toi à faire. C'est le sacrifice, le 10. C'est pour ça en soutien à nos frères d'Abidjan. Le 10 là. Rendez-vous à 14h à Saint-Michel pour aller au Panthéon. On va faire une marche pour les soutenir. Quand ça va être Nyangami là-bas, là, ici, ça sera aussi Nyangami. On va prendre les morceaux de Panthéon là pour ramener chez nous.
C'est de ça il s'agit. C'est de ça la même il s'agit. Donc famille, restez à l'écoute. Il faut gber le stade Félix Houphouët Boigny et puis gber aussi la marche du 10. Le pays nous appelle. Le pays est à l'agonie. Le pays est malade. Soyons tous prêts pour aller arracher notre liberté. Ne regarde pas la distance. Vous qui avez les voitures, allez soutenir vos frères. Vous qui êtes qui avez des voitures, mettez-les à la disposition de vos frères. Les chauffeurs de Baka, de Caen, il y a beaucoup qui sont avec nous. Il y a beaucoup qui veulent aussi que le pays sorte de ce bourbier-là. Rentrez en contact avec les organisateurs. Parce que Dramane Ouattara, quand on dit on est quelqu'un qui est aimé, comme il dit lui. Hein? Lui dit il est aimé. Je ne vois pas pourquoi il se tracasse à faire tout ça. Si tu es aimé, laisse-nous aller aux Féliciens, faisons bras de fer. Toi, tu organises pour toi, nous, on organise pour nous. Mais comme toi-même, tu sais qu'il n'y a rien dans toi. On a vu dedans, dans toi, il n'y a rien. Donc, tu te fatigues. Tu cours à gauche, à droite pour aller voir ce qu'on fait. Nous, on s'en fout. On sait que le Félicia, là, on va gbé ça. C'est de ça qu'il s'agit. Le Félicia sera gbé. Donc, nous, on ne s'inquiète pas. Donc, nous, là, ah oui. Ok, c'est si. D'accord. Donc, il y a une manifestation en cours. Ok. D'accord. Donc, famille, ne cherche pas. Du moment que Dieu t'a donné le courage de te lever le matin pendant que d'autres sont au cimetière, ils ont payé de leur vie. C'est toi, c'est sur toi que ces gens-là comptent pour que justice leur soit rendue. Donc, toi, là, tu as tes pieds, tu te lèves. Le matin, mettez-vous ensemble, ne partez pas seul. Si vous êtes par centaines là, vous partez. Filmez votre trajet. Tout votre trajet là, filmez. Nous, on va regarder. Et on va voir le premier abouti qui viendra vous agresser. Ces gens m'achetaient, on a tout dénoncé dans les institutions. On a tout dénoncé. Où il est là? Il y a les viseurs qui sont branchés, braqués sur lui. Les gens ont le regard sur lui. Filmez toute agression des magouillas qui viendront d'Abobo. Filmez tout ça là. Ça sera au compte de Dramane Ouattara. L'agression commise, une agression commise par des crapauds, les magouillas d'Abobo, ça sera au compte de Dramane Ouattara parce que c'est lui qui est au pouvoir. Hein. C'est d'après ce qu'il a dit. Quand tu es au pouvoir, tu prends les responsabilités, les pots cassés. Donc Dramane Ouattara, tout ce qui va se passer pendant les manifestations là, au cours du trajet là, ça sera au compte de Dramane Ouattara. Il y a déjà des films qui circulent où ces microbes qui sont encadrés, protégés par l'armée, les corps habillés, on les a vus sévir, agresser les gens, macheter les gens, on a déjà les films. Ça là, ça alourdit encore son dossier. C'est pour ça qu'il est en train de courir partout pour demander une grâce. Il demande une grâce présidentielle là. Une grâce de l'ONU, des Nations Unies. Mais eux, ils vont te donner la grâce, mais nous, on ne va pas te la donner. Tu n'auras pas la paix avec nous. Il n'y a pas de grâce avec les Ivoiriens. Ils vont te la donner, mais nous, là, celui que tu as tué, ses enfants, là, tu crois qu'il va te faire cette grâce-là? Partout, il va te voir, c'est légitime défense. C'est de ça qu'il s'agit. Vous tuez les gens, non? Tu auras la grâce de qui tu veux, tes maîtres. Mais nous, là, on va en finir avec toi. Partout, quand ça va être fini là, on te traque. On te traque. De toute façon, tu as tué les enfants des gens là. Les mères qui sont endeuillées par la mort de leur fils unique. Ou bien les enfants qui ont perdu leurs 4 enfants, 5. Ils vont faire ta peau, Dramane Ouattara. Il n'y a pas de grâce. Et ils seront dans leur légitimité. Quand ils iront là, au tribunal là, on va cotiser pour prendre l'avocat. Qui va les déclarer irresponsables. Des gens fous. C'est tout. C'est comme ça qu'on va faire. On va en finir. Vous pensez que vous allez tuer les gens et aller prendre l'amnistie et puis rester vous pavaner avec l'argent que vous avez volé? C'est pas possible. On ne peut pas accepter ça. Ah, au cours, si, tu me demandes des choses. Hein, tu ne sais pas que moi, je suis Gaou.
Qu'est-ce que je veux? Ah là là là. Qu'est-ce que je vais attendre? Je vais écouter. Au cas ici, il pense que c'est bonne maman qui l'a eu. C'est bien fait pour toi, tu m'as appelé. Attends, je vais faire écouter. C'est une démocratique en Côte d'Ivoire. Même si. Attendez, vous allez écouter ce qu'on m'a envoyé. La nouvelle constitution. Moi, je ne suis pas chargé de. Mais si l'on va aller là-bas. Oh, il y a modé là. Attends. Écoutez le Drian. Hein. Ceux-là, ils sont tous dedans, j'ai dit. Oh. Moi, je t'ai pas dit au cours ici. Je suis parti là-bas l'autre fois, c'est pour ça que j'étais énervé. Ils sont tous dedans. J'ai dit, on va en découdre avec Draman. Chacun aura un morceau de Draman. Oh, leurs intérêts qui sont là-bas, là. On va commencer à brûler les carrefours, tout ça, là. Ils vont regarder. Où on est arrivé, là? Nous, on est prêts pour la prison. Hein? On est prêts pour la prison. Écoutez, famille. Vous allez écouter le Drian. Ces gens-là, et puis on va dire, ils ont laissé Ouattara. Écoutez. Sur la Côte d'Ivoire, nous sommes très très vigilants sur la manière dont vont se passer les élections. Je ne crois pas. Est-ce que vous comprenez? Envoyez les cœurs si vous comprenez. Oui, en Biélorussie, il y a des dizaines de milliers de personnes qui manifestent les rues. Vous n'avez pas. Je suis désolé, ne faites pas des comparaisons hâtives. Parce qu'il y a. Il se trouve qu'il y a un processus démocratique en Côte d'Ivoire, même s'il peut y avoir une discussion sur la nouvelle constitution. Et moi, je ne suis pas chargé d'apprécier la nouvelle constitution de Côte d'Ivoire. Ça serait là vraiment de l'ingérence, en l'occurrence. Donc, je souhaite simplement que, et vous savez très bien, Monsieur Le Cop, pourquoi nous en sommes là, en raison du décès de du Premier ministre Koulibaly, qui, du fait de ce seul fait très, très proche des élections présidentielles qui vont avoir lieu très, très bientôt, le 31 octobre prochain, le président Ouattara a estimé devoir se représenter, c'est son libre choix. Notre souci, c'est de faire en sorte que le déroulé de ces élections se déroule dans l'impartialité et dans un climat apaisé. En tout cas, c'est le mandat que nous donnons à nos collaborateurs. Sur la Côte d'Ivoire, on va réécouter l'animal là. Sur la manière dont vont se passer les élections. Je ne crois pas qu'on ait automatiquement à ce. Oui, en Biélorussie, il y a des dizaines de milliers de personnes qui manifestent dans les rues. Vous n'avez pas. Je suis désolé, ne faites pas des comparaisons hâtives. Il se trouve qu'il y a un processus démocratique en Côte d'Ivoire, même s'il peut y avoir une discussion sur la nouvelle constitution. Et moi, je ne suis pas chargé d'apprécier la nouvelle constitution de Côte d'Ivoire. Foutage de gueule même. Oh, allume, s'il te donc, plaît. Je souhaite simplement que, et vous savez très bien, Monsieur Le Cop, pourquoi nous en sommes là, en raison du décès de du Premier ministre Koulibaly, qui, du fait de ce seul fait très, très proche des élections présidentielles qui vont avoir lieu très, très bientôt, le 31 octobre prochain, le président Ouattara a estimé devoir se représenter, c'est son libre choix. Notre souci, c'est de faire en sorte que le déroulé de ces élections se déroule dans l'impartialité et dans un climat apaisé. En tout cas, c'est le mandat que nous donnons à nos collaborateurs. Sur la. Vous voyez, quand je dis qu'ils se moquent de nous, les gens ils pensent que sortons de clichés, ils sont avec nous. Le volume, ma petite soeur, c'est compliqué. Attends. Le volume. Le son n'est pas bon. Hein. Quand on vous dit que les gens-là, ils pensent à leurs intérêts. Parce que nous, on est tout le temps dans l'émotion. Oui, ils ont laissé Ouattara. Ils n'ont pas laissé Ouattara. Ils n'ont pas laissé Ouattara. C'est nous-là. Nous-là.
actes qu'on va poser, quand ils vont voir là, supermarché, Auchan, tout ça là, en feu là, ils vont comprendre. Quand ils vont voir ça chez nous, ils vont dire quelque chose se passe, ils vont nous rappeler, on va parler. C'est de ça il s'agit. Vous pensez qu'ils vont laisser Ouattara? Ils leur donnent tout, ils n'en ont rien à foutre. C'est pour ça qu'ils ont mis une apatride dans la tête de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont rien à foutre de nous. Partagez la vidéo. Moi, je ne peux plus. Je vous dis, ils m'ont bloqué de partout. Je suis bâillonné. Ils m'ont bloqué de partout. Je ne peux plus partager. C'est compliqué. Vous ne voyez pas? Avant, quand je faisais des directs, c'était 5 000, 8 000 vues quand j'ai fini. Là, il n'y a rien. Tout est verrouillé. Quand ma fille a été voir hier, elle m'a dit, maman, il y a des trucs, même on t'accuse des trucs comme quoi tu as traité quelqu'un de PD ou bien tu as dit que œil pour œil, dent pour dent, des trucs comme ça. Donc, ils m'ont bloqué. Ils trouvent que quand le message passe, ça les gêne. Ils te verrouillent. Donc, on ne peut pas voir. Bonjour, Claudine et Amine Kojan. Donc, c'est vous qui devez partager. Moi, je ne peux plus rien faire. Partagez que ça arrive là-bas. Parce que Le Drian, là, ils sont dans un truc. Vous pensez que les francs-maçons, là, ils se suivent toujours, ils se protègent. Il ne va jamais le... Qu'est-ce qu'il a à gagner avec nous? Si... Au contraire, s'ils enlèvent Ouattara, ils vont perdre. Celui qui va venir, le président Gbagbo, il ne va pas donner la Côte d'Ivoire aux étrangers. Il ne voudra pas. Donc, ils sont dans leur logique. Ils n'en ont rien à foutre. Ils n'ont rien à foutre de nous. Si c'est ça, là, faut pas qu'on... Je vous dis, là où on est arrivé, là, on doit poser des actes forts qui vont les interpeller. Qu'est-ce que les gens ont fait en Algérie? Vous pensez qu'ils étaient là, mais quand ils ont vu ça saigner là, ils ont eu peur. Ils sont venus parler. Je suis désolée d'en arriver là, de parler comme ça. On ne peut pas laisser souffrir les gens, laisser mourir les gens comme du bétail pour vos intérêts. Mais c'est à nous qui allons nous imposer. Ils ont peur des rapports de force. Vous pensez que la manière dont ils jouent, ils se masturbent sur nos têtes, ils éjaculent là. Ils peuvent faire ça à un arabe. Ils connaissent. La balle, on ne touche pas. L'Arabe, il s'en fout pour sa patrie, là. Il s'en fout. C'est de ça il s'agit. Nous, on est là, on a peur. C'est pour ça qu'on parle, on parle. J'ai dit, demain, samedi, là, Le Drian va voir ce qui va se passer. Nous, on est déjà nés. Hein. On est nés, on n'entra pas, on reste à mourir, c'est ça. Allez, c'est vous qui allez faire, vous entendez? Dramane Ouattara tue Gon Coulibaly pour se trouver une excuse, c'est dans ça on va marcher. Et les gens vont se foutre de nous parce que vous dites, cas de force majeure, la séquence, c'est un accident. Dramane savait le plan qu'il faisait. Depuis longtemps, il avait planifié l'assassinat de Gon Coulibaly. C'est de ça il s'agit. Qu'est-ce qu'il vient nous distraire? Il vient nous raconter quoi là? Il n'était pas au courant que Gon Coulibaly était mort vivant. Papa, allume. Il n'était pas au courant. Il était au courant, mais il a fait exprès, il a mis quelqu'un facilement tuable là, pour le tuer. Pourquoi il n'a pas mis Ahmed Bakayoko? Parce qu'il sait que lui, il est kené. Il aura du mal à le tuer facilement. Il a mis ce type là, sur lequel tu souffles, même il tombe. Il a mis là, il savait qu'il allait le tuer facilement. Pour trouver l'excuse, il a plein de gens qui sont capables. Pourquoi il ne les a pas mis au RHDP là? C'est Gon Coulibaly seul qui a été à l'école? Ou bien c'est lui seul qui peut être président? C'est parce qu'il sait qu'il le mettait là, il allait le tuer. Voilà. Son plan là, c'était bien tracé et ficelé. Gon Coulibaly, soit s'il est élu, il va mourir, il va prendre la place, mais il va le tuer avant. C'est pour ça qu'il l'a mis là. Donc ça là, ils vont nous dire, eux, ils vont nous distraire. C'est parce qu'ils nous voient, ça ne fait rien. Et nous, on se comporte aussi en ça fait rien. On est dans les divisions. Au lieu de se mettre ensemble pour jouer un rôle, pour empêcher ces gens-là de nous narguer, on est dans des divisions intempestives qui n'en finissent pas. Qui n'en finissent pas. Et on va aller là, dans 3 semaines, on est aux élections. Et ils vont nous narguer. Mais famille, j'ai dit, cette fois-ci, la Ouattara va partir. C'est moi qui dis ça. Ouattara va partir. On ne peut plus accepter ça. On ne peut plus accepter que le monsieur là, il nous nague. On ne va pas accepter ça. Moi, je ne vois pas la Côte d'Ivoire 5 ans encore avec Dramane Ouattara. Ce n'est pas possible. S'il veut se présenter là,
S'il veut se présenter, soit saluer ma direct, ça commence. Envoyer les cœurs, sécuriser le direct. Donc, s'il veut là, j'ai dit, cette année-là, si Ouattara est intelligent là, il n'a qu'à laisser rentrer tous les exilés, tous les candidats, tous les gens qui peuvent postuler au poste de candidat, qui veulent postuler à la présidentielle. Il les laisse se présenter et puis ils vont aux élections. Mais il ne va pas venir éliminer. Mais vous vous rendez compte cette insulte-là? Nous, on est Ivoiriens. Et puis, un Burkinabé, il vient à la tête de la Côte d'Ivoire, il enlève les Ivoiriens, ceux qui sont Ivoiriens. Et puis, lui, il met des gens à sa mesure. Il met un Kakabé comme ça, là, un Naoussa, un Gouroussi, là, qui dit les choses. Quand tu regardes même sa tête, franchement, la Côte d'Ivoire est tombée bas. Hier, là, je devais intervenir sur Afrique Média. Après, comment il s'appelle, le frère Ama Asiri fils là, c'était moi qui devais prendre. Mais Ama, ce qu'il a dit, c'est ce que j'allais dire même, et puis frapper encore fort. Et il a dit, quand tu te lèves, tu te regardes dans le miroir. Toi, Kakabé là, quand tu te regardes là, tu ressens même à un handicapé. Je m'excuse pour les handicapés, mais je veux dire un déréglé. On te regarde, regarde même comment tu es. Tu penses qu'on peut te mettre à la tête de la Côte d'Ivoire, même si on dit même que Côte d'Ivoire est tombée. Toi, Kakabé, regarde même ton accoutrement. Regarde comment tu es fignolé. Qui va te prendre comme président? Même dans un cimetière, les morts ne voudront pas que tu les gouvernes. Nous, on va te prendre comme président. Ça ne va pas chez toi ou bien? Gbagbo l'aurait été là, il était en exil. Donc pour toi là, tu penses que on va te prendre? Non mais ta femme est tes blagues. Ta femme, parce que l'homme là, quand il fait quelque chose, il a l'appui de ta femme. Ta femme, je ne sais pas ce qu'elle veut, hein, mais elle te blague grave même. Si toi tu es son président, nous, ce n'est pas nous. Hein. Si elle accepte que toi-même tu te couches sur elle là, ce n'est pas nous. Regarde-moi ça, des déchets comme ça là. Toi qui n'as jamais rien fait de tes 10 doigts, tu as été un assisté de la naissance jusqu'à ta fin, tu vas être assisté. C'est toi, on va prendre pour mettre à la tête. On te pose même une question, tu es déjà énervé. Tu ne sais même pas comment y est géré ton pays. Donc, tu penses que nous, on est tous des moutons. On n'est pas des RD. Hein. Toute la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas RD. Hein. On préfère, moi-même, je préfère que si c'est toi, là, Ouattara même n'a qu'à rester. C'est dans ton plan, là, c'est ça. C'est-à-dire, comme on est coincé, on va te prendre. Mais on préfère même que toi-même, Ouattara reste dans ce cas. On sait qu'on va, on va finir avec lui. On va faire quoi avec toi? Ta sorcellerie, là, faut arrêter, Kakabé. Toi, là, tu es un partant aussi. Tu es un partant. Parce que tu vas conduire les gens, les enfants, là. Tu penses que quand tu vas perdre, et puis tu vas appeler les gens dans la rue pour dire Ouattara a triché. Et puis on va te suivre. Même si on chasse Ouattara, toi, tu ne seras pas à la tête. Tu vas appeler les gens là, c'est pour chasser Ouattara. Toi, on va te chasser aussi avec lui. C'est de ça qu'il s'agit. On va chasser Ouattara et toi, on va. C'est pas qu'on va chasser Ouattara, qu'on vous êtes deux candidats et puis on va te mettre. Mets ça dans tes sales oreilles là. C'est moi qui te dis ça. On va chasser Ouattara avec toi aussi, vous deux en même temps. Et puis on va organiser les élections. Parce que toi, Kakabé là, moi, de mon vivant, tu ne seras jamais président. Tu ne seras jamais. Si on dit. Quelqu'un peut être président, tu ne seras jamais. Parce que tu as été toujours un gros traître du début jusqu'à la fin. Tu veux faire quoi? Faire du chantage affectif? Oui, votez-moi, sinon Ouattara n'a qu'à rester. Lui, on va le chasser. Mais toi avec, toi là, avec Ouattara, vous allez partir. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas là. Il ne faut pas croire que tu vas amener les gens voter. Hein, aux élections, et puis on va faire chier, et puis toi, on va te mettre là. Tu as menti. Tu as menti. Et vous deux, même, allez hop. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Parce que toi, tu as été le pire. C'est qui, en ouais, on dit, c'est qui on a pris pour natter, comment, cache-sexe de devant là, de Ouattara là. C'est le tissu, le morceau là qu'on a pris pour natter pour toi aussi, pour tisser pour toi. C'est le même tissu. Vous êtes pareil. Toi et Ouattara, c'est la même chose. Tu es un gros plaisantin, un grand. Tout ce que Bédi a fait pour toi, tu ne reconnais pas aujourd'hui. Tu ne reconnais pas et tu es un égocentrique, même tu es un impoli, irrespectueux. Là, tu vas parler des choses. Pourquoi tu as fui? Tu allais entendre ce que tu n'as pas entendu. Tu crois que la Côte d'Ivoire, là, c'est un campement?
Et puis on va prendre un énergumène comme toi. Les gens nous insultent encore plus. Déjà même on est tombé. On a ce chien là. On va se débarrasser du chien pour mettre un cabri. Mais tu crois que quoi? Quand on finit avec ça, on met des êtres humains normaux. Des gens qui ont un cerveau. On ne va pas polluer la Côte d'Ivoire avec des déchets comme vous, comme ça là. C'est pour ça quand Ouattara va partir là, tu veux aller aux élections, tu maintiens, tu signes mordicus que tu vas aller aux élections. Quand tu vas là, tu continues la route avec lui. Tu continues la route Kakabé. Et on va te traquer partout où tu seras. Ton visage, on dirait Zaza là. Tu vas venir embêter les gens. Toi, tu vas être présidentiable. Qui va te voter? Qui va te voter? Quand les gens souffrent là, respectez les Ivoiriens. Ne prenez pas notre souffrance, ne vous foutez pas de nous. Hein? Ne nous foutez pas de nous. On est dans notre souffrance, on souffre déjà. Mais vois toi, Kakabé, aller vendre la Côte d'Ivoire, cautionner ça, aller accompagner un apatride comme ça, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est pas possible. D'une arrogance, mais vraiment, on te voit. Bagbo était en prison. Oui, Bédié n'a pas voulu faire ça, machin. Mais tu es à l'aise, hein, mon petit. Tu es à l'aise. Je ne sais même pas celle que tu as ramassée qui est venue sur le plateau avec toi aussi, la même fagot, même comment vous êtes, votre dégaine tous les deux là. Elle aussi, une perdue qui vient cautionner la forfaiture de Kakabé. Vous pensez que vous allez nous blaguer? Mais vous, vraiment, vous pensez que les Ivoiriens sont bêtes, hein? Vous pensez ça là, aujourd'hui là, un bébé Ivoirien même. Je vous dis, cette année, c'est parce que vous ne voyez pas l'engouement, le courage des Ivoiriens. Le bébé Ivoirien qui est dans le ventre de sa mère, il forme coup de poing déjà contre vous. Vous pensez que quoi? On est prêt pour vous, hein? On est prêt pour vous, parce qu'on ne veut plus. Ça là, on ne veut plus. On veut la libération de notre pays. C'est pas de l'amusement. On n'est pas là pour enlever ses pierres, pour mettre torchon. C'est pas ça là. On veut rien, ni toi, ni Ouattara, ni personne. On veut Gbagbo Laurent. On se bat là pour installer la démocratie en Côte d'Ivoire. Parce qu'elle a été défigurée par Dramane Ouattara. C'est pas pour enlever Ouattara pour aller mettre toi Kakabé. Même si on est tombé là, quand même. Quand même. On a quand même le respect. Un président là, c'est quelqu'un qu'on voit, on respecte le pays. Toi, un plaisantin, tout le monde te connaît. Un plaisantin. Dans tous les pays d'Afrique, tu as connu Kakabé comme étant un plaisantin. Si tu sais ce que tu es en train de faire, ce n'est pas nous-mêmes qui allons te faire du mal. Je t'ai déjà dit dans ma précédente vidéo. C'est les Africains là qui te regardent actuellement. Les pays africains là, on te regarde. Et ce que tu as là, ton qualificatif, c'est traite. Pion de l'Occident, c'est ça. Si tu ne sais pas, moi je vais te dire ce qu'ils disent. Et les gens t'attendent. Tu n'es pas en sécurité, partout tu ne seras pas en sécurité. Parce que l'Afrique là, compte sur la Côte d'Ivoire. Nous on a des amis panafricains qui ont le regard rivé vers la Côte d'Ivoire. Ils se disent, ah, vous au moins quand vous allez vous en sortir, ils vont comprendre que l'Afrique va changer. Et toi Kakabé, tu vas noyer tout cet espoir là, parce que tu t'appelles Kakabé. Qui va te voter? Il faut arrêter. Regarde-toi dans ta glace. Ta glace là, que tu as actuellement, elle te ment. Ton miroir là te ment. Ta femme te ment. Tu n'as aucune carrure d'être président. Tu ne ressembles même pas. Même à M. Pourquoi ils ne t'ont pas mis ministre? On ne t'a jamais proposé même d'être ministre dans ta vie. Tu ne trouves pas qu'il y a un problème? Tu trouves pas, tu n'es pas crédible. Moi-même, quand j'ai regardé hier ton interview, on dirait Muppet Show. J'avais l'impression que j'étais dans un truc de théâtre pour faire rire les gens. Tu parlais? Tu es un plaisantin. Ces journalistes qui sont là, c'est des Africains. Si tu vois des questions pertinentes hier qui t'ont poussé à bout même, c'est parce qu'ils en ont marre. Ils voient que tu es en train de vouloir clouer l'Afrique dans l'esclavage. Et ça les énerve. Mais ils font leur boulot de journaliste. Ils ne peuvent pas trop être comme nous. Mais tu as fui avant. Ahmad Asrif, il a mis un bing seulement, tu es tombé KO. Moi, j'allais t'assommer même. Attends, toi, tu te regardes là. Quand on est seul chez soi, là, on se regarde des fois quand même. Donc, ta femme, le matin, dit-moi,
futur président. Mais elle aussi, elle est comme toi, elle doit être malade. Elle doit être malade parce qu'une femme normale, là, tu regardes cette chose-là, que tu as comme mari, caca, mais tu ne peux pas dire, chérie, tu vas être président. Toi, tu regardes ça là. Tu... Donc, dans ta tête, toi, la femme aussi, tu es première dame un jour. Vous pensez que Côte d'Ivoire, là, c'est, comment on appelle ça, jardin d'enfants. Où vous allez, même dans jardin d'enfants, mais on va pas vous dire raison, nous qui avons les poils bien formés ici, là. Il faut arrêter. Respecter les Ivoiriens. On a trop souffert et on est en train de souffrir. Il y a des gens qui comptent sur la Côte d'Ivoire. Et on attend. Tous les jours, il n'y a pas un jour que quelqu'un ne m'appelle pas angoissé. Ah, Naomi, vraiment, c'est qu'on attend. Et toi, tu vas faire le yo-yo avec le cœur des gens? T'amuser avec le cœur des gens? Il faut arrêter. On est arrivé là, là. Ouattara ou nous. Soit Ouattara ou nous. C'est de ça qu'il s'agit. Soit c'est Ouattara ou c'est nous. On ne va pas accepter encore de passer 5 ans avec Dramane Ouattara. Où nous, on est là. On est déjà né et on est prêt à être kamikaze. On est déjà né. Ouattara, là, s'il est intelligent, dès maintenant, il va prendre ses bagages pour partir. Ou il va chercher à discuter, à croiser l'opposition et à mettre les plans. Tout le processus normal que les gens lui ont demandé. Mais ils vont pas, il ne va pas venir, lui, étant un apatride sans pays, venir nous imposer les directives de ce qu'on doit faire. Tel doit pas être candidat, l'autre il est ici. Quelqu'un que la CPI a dit, il est acquitté là. Hein? Que la CPI a dit, il est acquitté. C'est toi, un boyorodien, qui va dire qu'il a 20 ans de prison. Mais laisse-le aller en Côte d'Ivoire, il va faire 20 ans. C'est parce que tu connais. Tu connais pourquoi tu t'agrippes. Pourquoi tu ne veux pas que le président Laurent Gbagbo aille? Si lui, il était en Côte d'Ivoire, c'est ça qui fait mal. Parce que le président Laurent Gbagbo, là, s'il était en Côte d'Ivoire, il n'allait pas faire comme l'opposition aujourd'hui. Il allait être là. Il allait être dehors tous les jours. Tu sais? Tu sais? Même là, là, tu négocies tes négociations, nous, on est au courant. Tu négocies pour qu'on le libère après les élections et il soit en résidence surveillée chez lui. Donc, le reste de sa vie, là, toi, tu vas l'enterrer vivant. On te regarde. J'ai dit, cette année-là, c'est cette année. L'Ivoirien est prêt à mourir. Tu sais pas là, ce qu'on est en train de vivre, c'est ça. La souffrance là, on est fatigué. Le cœur maintenant a eu ses limites. Donc, si tu es intelligent là, prends tes clics et tes claques, tu t'en vas. Tes bitoko qui sont en train de sauter, on dirait qu'ils sont arrivés dans un endroit, un désert, comme Christophe Colomb qui est arrivé aux États-Unis, qui a découvert l'Amérique. Qui sont arrivés dans un endroit, un coin pas de, qui n'a pas de propriétaire. Ils sautent parce qu'ils ont eu... Nous, on est rien pour eux. Eux, tous là, on les a dans le collimateur. On les a dans nos visions, on les regarde. Mais ils vont rendre des comptes. Ils vont rendre... Tout ce qu'ils ont pillé là, ils vont rendre ça. Ils vont rendre ça. La maca là, c'est vous qui serez les prochains locataires. Ça veut dire quoi? Un pays où les gens ne peuvent pas être tranquilles, où ils ne peuvent pas... Les étrangers arrivent, ils font la loi. On parle de ça, les gens vont dire on est xénophobe. Depuis quand vous avez vu ça? Un pays où les gens ne peuvent pas parler, où on est opprimé, on n'a pas le droit de parler. Ça ne va pas, on ne doit pas dire ça ne va pas. On doit dire tout va bien pour faire les éloges de Dramane Ouattara. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas continuer comme ça. Là, la dose, la capsule, on ne peut plus l'avaler. La soumission, là, on ne peut plus accepter ça. Nous, là, on est prêts. On est prêts pour ça. Quand ça va finir, même si Ouattara quand Ouattara va quitter, on va le traquer. Paris, là, il ne mettra pas les pieds. Il a commencé déjà, non? Sa femme, elle est venue ici. Depuis la semaine, j'ai fait que tourner. Là où elle va manger à midi, je suis là-bas, elle ne vient pas. On dit, elle ne vient plus ces derniers temps. Chez elle, on était là-bas. Elle ne dort pas là-bas. C'est ça, c'est la vie comme ça, on va leur réserver. Paris, là, est grand, mais c'est petit. On a un voisin qui a voisin, qui a voisin, qui a voisin. Même s'ils vendent la maison du 142 avenue Victor Hugo, là, ils vont acheter, il y aura quelqu'un qui va nous dire. Donc, il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils sont en sécurité. Lui, là, il va aller en prison pour qu'on arrête le combat. Parce qu'il a fait trop de mal aux Ivoiriens. Trop de mal. Trop de mal. Tu es venu, toi-même, tu connais. Tu connais tes origines. Tu sais qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait pour toi. Tu sais le sacrifice qu'on a accepté de faire à cause du président Laurent Gbagbo, la paix en Côte d'Ivoire.
Mais tu arrives et tu veux nous, c'est-à-dire nous maltraiter, nous faire payer tellement, comme si on t'avait maltraité. Pourquoi? Parce que tes parents burkinabés sont venus travailler dans nos plantations, mais c'était en échange des salaires, parce qu'ils étaient dans la misère chez vous. C'est pour ça qu'ils sont venus travailler. Nous, on vient travailler en France ici, c'est pour ça qu'on va maltraiter les Blancs. On va dire que c'est pas... Ils nous ont maltraités, ils nous payent. Quand on te paye, tu dois travailler. Si ça ne te plaît pas, tu t'en vas. Mais on va payer parce qu'on vous a fait travailler dans les champs. Mais on va vous donner un salaire sans que vous travailliez. Ça, là aussi, on va payer pour ça. Et ça, quand on parle, on dit oui, comment dirais-je, on est xénophobe. Si c'est ça, là, moi, je suis habillée de la tête aux pieds en xénophobie. C'est ça même mon parfum en plus. Et pommade. On est fatigué. On est fatigué. Cette année-là, c'est fini. Nos parents même parlent en Côte d'Ivoire. C'est pas comme en 2011, quand vous avez pris le pouvoir et puis tu parles, on vient t'enlever, on t'égorge. Maintenant là, même égorger, vous faites mon parle. Égorger là, vous nous égorgez. Quand homme en cagoulé vient prendre, mais on parle. On va parler jusqu'à nos derniers souffles. On ne peut plus attendre. On ne peut plus laisser. Si on doit mourir pour quelque chose, on va mourir pour ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est quel pays où les gens... Tout doit être rose. Toutes tes choses. Partout. Tout ce que tu as trouvé, tu as mis ton nom dessus. Ce que tu as fait aussi, tu as mis ton nom. Ton nom là, il sera effacé de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit, le jour que tu t'en vas là, tout sera effacé. Tu seras comme quelqu'un qui n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. Parce que tu, c'est pas possible. Même les livres d'histoire seront refaits. C'est-à-dire, il y aura un fossé dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Là où il y a ton existence, là, on va faire un fossé. Un fossé, on va dire, il y avait un tsunami qui était arrivé là. Pour ne même pas qu'on parle de toi. Tu seras persona inconnu en Côte d'Ivoire, inexistant qui n'a jamais existé. Parce que quand on dit, on parle de quelqu'un dans l'histoire d'un pays ou qui laisse des traces, c'est des bonnes traces. Mais toi, tu as laissé quoi? De la souffrance, du désarroi, hein? La maltraitance, les gens sont morts, des assassinats, des viols. C'est ça là? On préfère faire notre deuil et puis t'oublier complètement. 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 Tous ceux qui ont fait du mal en Côte d'Ivoire, ils vont payer. Justice sera rendue. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça. On est dans un combat, on se bat, on est obligé d'avaler des couleuvres parce que la Côte d'Ivoire est malade. Ça ne veut pas dire que justice ne sera pas rendue. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi qui suis là, hein, même si mon grand-père a eu 56 enfants, j'ai peur. Oui, au moins 8 tantes qui ont été massacrées, qui sont, d'autres même sont mortes avec des pathologies qu'elles ont eues en forêt. On a été décimés, des oncles. Mon grand-père perd dans cette crise-là. Il a perdu au moins 15 à 16 enfants. C'est trop pour une même famille. On ne va pas venir là, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On est obligé d'accepter de faire violence, de se faire violence. C'est très, très dur. Et puis toi, tu vas continuer encore à nous maltraiter, à faire... Attends. Non. Tous ceux qui ont été mutilés, des gens qui sont... On ne peut pas laisser... Il y a des mamans qui n'ont plus de... qui ont des moyens, qui n'ont plus de mains, qui ont été... Les mains ont été coupées. Des gens en Occident, quand tu es handicapé, ce n'est pas facile, mais regardez en Afrique. Qui va s'occuper d'un handicapé? En plus, quand il n'a pas les moyens. C'est pire. C'est pire en Afrique où on ne fait rien pour rien. Qui va s'occuper d'un handicapé sans bras? Mais ça, là, il y en a. À l'Ouest, ils sont pleins comme ça. Des mamans à qui on a demandé, on coupe ton bras ou on tue ton enfant. Et elle dit, coupez mon bras pour laisser. Et quand vous coupez le bras, vous tuez quand même l'enfant. Mais vous vous en rendez compte? Vous vous en rendez compte? Vous coupez, lui coupez, mutilez la maman. Mais vous tuez quand même l'enfant. Et puis, c'est seul enfant qui devait lui donner à manger. Et elle est vue seule. Elle n'a pas deux mains. Qui va piler foutu pour elle? Qui va s'occuper d'elle? Ça, là, vous ne pensez pas à ça. Il y a plein, plein de choses. On ne peut pas laisser. On peut, hein? Pour l'instant, il faut chasser Dramane Ouattara. Il faut chasser Dramane Ouattara. Dramane Ouattara ne peut plus rester en Côte d'Ivoire.
Il a fait son mandat, ses deux mandats, il les a violés même. Parce qu'on dit qu'il a fait les mandats, là, c'est comme s'il avait été élu. Il a violé les il nous a violés. Hein? Pendant 10 ans, on ne peut pas le laisser encore. C'est fini. Donc là, nous sommes prêts pour lui. Nous sommes prêts à en découdre. C'est pour sa famille. Le 10, là, que rien ne t'empêche d'aller au Félicia. Même malade va mourir au Félicia. S'il faut être malade, s'il faut mourir là, c'est au Félicia. Il faut aller là-bas. Il faut aller au Félicia. Vous n'avez rien à faire au concert d'Assalfo qui est gratuit là. C'est un foutage de gueule. C'est pour vous humilier, si vous ne savez pas. Vous pensez que ces cadeaux, ils vous donnent. Vous êtes là, vous avez plus besoin de travail que d'aller au concert coupé, décalé ou je ne sais pas quoi. C'est aujourd'hui là, il sait que vous êtes là. Ces concerts là, gratuits, là, on les fait pour planifier l'atmosphère. Et puis, préparer une réconciliation. Assalfo l'a pas fait. Hein. Il était avec nos bourreaux. Il était avec Ouattara. C'est aujourd'hui là, il sait qu'il faut faire concert gratuit. Il n'a qu'à dire qu'il fait campagne pour Dramane Ouattara. Nous-mêmes, on sait qu'il est RDR. Qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-ce qu'il cache? Il est Mossi, c'est normal qu'il suive son frère Mossi. On prend la nationalité ivoirienne pour ça, quand ça vous arrange. Là, vous prenez. Vous êtes dans les pays là pour avoir comment, un laissez-passer. Pour passer à la télé, ça fait mieux de dire je suis ivoirien. Ça fait mieux. Donc, vous là, vous prenez ce qui est bon pour nous, pour vous nous utiliser quand il le faut. Mais en dessous là, vous gardez vos origines. Vous êtes Mossi, vous resterez Mossi. Mais quand c'est pour prendre le nom de dire que je suis ivoirien, vous courez, vous prenez les nationalités pour passer. C'est un laisse-passer pour vous, c'est un sésame, être ivoirien. Donc nous là, on ne peut plus accepter ça. Là, cette année-là, si vous avez les Mossi qui sont connectés sur ma page, dites-leur, dites à Ouattara que là, c'est là. C'est fini. C'est pour ça qu'on dit que ce monsieur n'est pas ivoirien. Il ne connaît pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on a eu le même problème avec les Béninois. Quand ça s'est levé, là, eux-mêmes, ils sont partis chouer. On n'a pas demandé. Ils sont partis. Donc, vous qui venez en Côte d'Ivoire, qu'on a reçu chez nous et qu'on nourrit et qui vous mettez dans nos problèmes, là, quittez dedans. C'est qui va commencer, là, mettez-vous à l'écart. Soyez des simples spectateurs. Mettez-vous à l'écart. Parce que Ouattara et nous, là, ça ne sera pas bon. À l'époque, là, les Burkinabés, les Nigériens, Guinéens, Maliens, ils vous avaient donné des armes. Vous êtes venus nous tuer, vous êtes mis dedans. Cette année-là, ça ne sera pas comme ça. Hein. Ne vous mettez pas dans un palabre qui n'est pas votre palabre. Si vous voulez vous mettre dedans aussi, on prend. Là, on est enragé jusqu'à il n'y a rien à faire. Si vous voulez faire là, nous on vous dit simplement quitter dans nos palabres. Palabre entre Ivoirien et Dramane Ouattara, quitter dedans. Lui dit les garçons, nous on dit aussi on est fort. Quitter dedans, parce que c'est une histoire de libération d'un pays. C'est une histoire de comment dirais-je, l'indépendance vraie d'un pays. Dramane Ouattara, c'est un pion de l'Occident. Nous, on veut se débarrasser de ce chien-là. Quittez dedans, mettez-vous à côté. Si vous ne pouvez pas séparer palabre-là, si vous ne pouvez pas trouver la solution, quittez dedans. Dans nos nyangans qui vont commencer là, laissez-nous en finir avec ce monsieur. Ça fait 10 ans que ça dure. Dramane ne veut rien entendre. On a fait tout ce qu'il fallait. Toutes les cartes ont été abattues. Toutes les chancelleries sont au courant que Dramane nous maltraite. On a tout fait. Quittez dedans. On voit des vidéos qui circulent. Hein? Des machettes qui vous distribuent. Ayez peur de Dieu. Votre bienfaiteur là. Vous n'allez pas venir aujourd'hui, celui qui vous a donné à manger, qui vous a donné à boire, vous n'allez pas venir aujourd'hui le macheter, le tuer. Il faut avoir peur de Dieu. La terre, là, elle est ronde. Dieu a donné pour chacun. Nous, il nous a donné notre Côte d'Ivoire. C'est parce qu'on est gentil, on vous accepte. Mais ne venez pas profiter de notre gentillesse et nous tuer parce que vous soutenez quelqu'un qui vous donne de l'argent pour nous tuer. Il faut quitter dedans. Parce qu'on va finir avec Dramane. Cette année, on va finir avec lui. Si vous rentrez dans un palabre qui n'est pas votre palabre et que nous, on se bat, on fait quête, on sort dedans, on va se retourner contre vous. Ça sera la chasse à l'homme.
on va se retourner contre vous. C'est pour ça, dorénavant, on vous dit, quittez dedans. Quittez dans palabre qui n'est pas votre palabre. Faut pas qu'il va vous ramener. Parce que ce monsieur, il a la manie de manipuler les gens. Maintenant, c'est sa nouvelle trouvaille. Au début, c'était, comment dire, il n'aime pas les musulmans et les nordistes. Ils veulent pas qu'on mette Boubou. C'était ça. Mais maintenant, là, il a changé de disque. C'est la même chanson, hein. Mais il a changé, là, il a fait un arrangement, il a fait un mixage. Maintenant, il dit que s'il s'en va, les nordistes et les musulmans ne seront pas en sécurité. Voilà. C'est quelqu'un, même s'il fait 5 ans encore, il va trouver autre chose encore à dire. Les mosquées, ils vont les raser si je ne suis pas... Vous en rendez la gravité, la mythomanie de ce ténégumène là, comment il est? Il est un imposteur, un poison notoire. C'est incroyable. Il a tout pour détruire les gens. Tout pour détruire. Un frère, Keïta, il s'appelle Keïta, qui disait que ce monsieur-là, et c'est la vérité, parce que ces diplômes-là, qu'il a son PhD, c'est vrai. Sur Internet, tu peux t'acheter, il suffit que tu aies les compétences. On a vu ici en France un monsieur qui était directeur de l'aéroport, je crois, de Lyon, qui n'a jamais fait des études, même comme il se devait, et qui était directeur. Et c'est maintenant, après 15 années, qu'on a vu que ses diplômes étaient faux. Mais Dramane Ouattara, c'est la même chose. C'est la même chose. Si vous fouillez là, où il a dit là, l'université Tempo aux États-Unis. Mais il a acheté le fake diplôme. Il qui dit qu'il est économiste. Il n'a jamais écrit des livres d'économie. Il a fait les études aux États-Unis. Quand il parle anglais, là, on dirait comme un grenouille qui a l'eau dans la bouche, qui parle anglais. Où il a fait école là? Quand tu vois même là, quelqu'un qui a... YouVerse. Vous qui, les petites soeurs, Victoire, Blo Bagua, anglais qui parle là même. Même moi-même, je peux parler ça. You be verse. Où tu as vu ça? Quelqu'un qui a PhD aux États-Unis, c'est qui parle couramment. Vous avez vu Dramane Ouattara parler couramment l'anglais? Il n'y en a pas. Quand il parle anglais là, écoutez bien. C'est comme un crapaud, une grenouille qui est dans l'eau, qui parle anglais. Tu entends... Rien de bon. Rien de bon. Tu n'as jamais écrit, même le président Laurent Gbagbo qui est historien, on a vu, il a écrit plein de bouquins. Tu n'as jamais écrit livre, même sur l'économie. Tu connais rien dedans. Un économiste qui surendette un pays comme ça, où on a vu ça? Où on a vu ça, économiste qui surendette un pays? Hein? Il fait que prendre des crédits avec des intérêts incroyables, mirobolants. Si tu es économiste, là, tu dois savoir négocier. Tu dois savoir négocier les moyens de paiement, les modalités. Rien. Tu connais rien, mon gars. Tu connais rien. Tu ne connais rien. Les pays où il y a des économistes qui dirigent, là, aujourd'hui, là, les pays, là, sont l'inflation, ça, ils sont en avance partout. Le chômage a baissé, mais toi, tu es économiste. Mais les gens meurent comme des... comment dirais-je? Nourriture de requin dans l'eau. Les gens sont obligés de fuir la Côte d'Ivoire tous les jours que Dieu fait. Tu es quel genre d'économiste? Tu ne peux même pas encadrer la jeunesse. Tu ne peux pas créer des emplois. Vous créez emploi, hein, ça je reconnais. Dans votre bouche seulement, le petit PD là, comment il s'appelle? Mamadou Touré là. Lui, il est tout en train, il sort de ses chiffres qui ne figurent nulle part. 2 millions de créations d'emplois. Dans Bigan, là, il y a 2 millions de créations d'emplois et puis les gens prennent de l'eau tout le temps pour fuir. 2 millions d'emplois. Il faut respecter les Ivoiriens. Hein? Même si vous savez que vous n'avez rien à foutre avec nous. Mais il faut respecter quand même les gens. Ayez peur de Dieu si vous n'avez pas peur de nous. 2 millions d'emplois créés dans Abidjan. Là. Juste ça même, ils disent que même qu'ils payent, il y a assez d'IC là-bas. J'ai parlé avec une belle soeur là, à qui j'ai demandé, elle ne travaille pas. Et elle a été licenciée. J'ai dit, ah, mais et tes assez d'IC, j'ai dit, mais on vous paye. Elle a commencé à rire.
Elle dit, mais où qui vous dit? J'ai dit, mais c'est vos gouvernants là qui disent ça, qui vous payent. Ou bien c'est eux qui se font payer, ou bien. On ne comprend rien. Que des mensonges. On dit quand même, quand tu prends de l'âge, tu t'assagis. Mais plus toi, tu prends de l'âge, tu te bonifies dans le mensonge. Tu deviens encore grand menteur. Hein? Plus il prend de l'âge, il devient encore pire, le plus gros menteur de tous les temps. Un monsieur comme ça, juste un président qui arrive, les gens rigolent. Même les blancs savent qui ment. Je vous dis, mon voisin, quand je disais que le monsieur mentait, il pensait, oh, mais vous, peut-être comme vous n'êtes pas de son côté. Mais... Quelque temps après, il sonne à ma porte ici, il dit, mais il est normal, votre président. J'ai dit, lequel? Parce que moi, le président, il est à la haie, il est... Il dit, oui, non, celui qui est là actuellement, il suit là, l'autre chaîne. Il dit qu'il y a comment, l'inflation à combien de pourcents? Et là, il dit autre chose. J'ai dit, mais c'est ça que vous cherchez maintenant. Nous, on vous dit, man, allez là-bas, gérer ça avec lui. Appelez TF1 ou là où il a dit, vous allez rectifier. Il a commencé à rire. J'ai dit, nous, on connaît notre chose. Et puis, on dit, elle ment. Notre chose, là, c'est nous. On le vilipende. Maintenant, vous avez vu qu'il ment, non? Ah bon? Ils ont vaporisé les diplômes. Les gens qui sont là seulement sur le mensonge, ils créent du boulot, on ne voit pas. Ils créent des hôpitaux, il n'y en a pas. Hein? Ils créent des écoles, nothing. Tout ce qu'ils disent, il n'y a rien. Mais ils créent seulement, ils créent. Tu vas lui demander là, juste ça, il a même... Non, vraiment, le gars a fini. Ce monsieur-là, tu peux parler de lui et puis tomber, faire AVC. Tellement il ment. Juste ça, il y a métro à Abidjan, mais personne n'a vu ce métro-là. Métro virtuel. Il a construit le métro, il a vraiment... Mais comment les gens peuvent... C'est incroyable, RDR. Si quelqu'un me dit, je suis RDR, wallah, je vais me jeter sur lui. Hein. S'il me pose la question, il me dit, toi tu es RDR, je te rentre dedans. Parce que c'est un jus. Hein. RDR, ça veut dire mouton non civilisé. Parce que tu peux être mouton et puis un peu civilisé. Mais eux là, c'est mouton non civilisé. C'est de ça il s'agit. C'est mouton. Parce qu'on ne peut pas suivre quelqu'un parce que c'est tu suis seulement. Mais pourquoi? Pourquoi je vais suivre quelqu'un parce que je suis seulement? C'est pas normal. Réfléchissez un peu. Réfléchissez. Tu peux suivre les idées de quelqu'un, mais pas Amina, Amina à tout. Le gars parle, c'est pas bon, tu dis oui. Et puis je connais une personne, RDR, qui me dit, oui, là-bas c'est la coutume. On sait que c'est pas vrai, mais on doit dire c'est bon. Mais je dis, mais attends, c'est dans quelle planète ça? Il dit, mais non, nous on sait que ce n'est pas vrai, mais on est obligé de dire que c'est vrai. Mais j'ai dit, mais vous êtes con alors. Vous savez que ce n'est pas vrai, mais vous êtes obligé de dire que c'est vrai. Tiens, c'est que vous êtes malade. Il y a longtemps même, on ne peut rien faire pour vous. La médecine n'a pas, peut pas trouver remède à ça. Je sais que c'est vrai, mais je suis obligé d'aller. Donc ça veut dire, moi je suis go là. Le président Laurent Gbagbo, il va me mentir. Et puis je dis, je sais, ce n'est pas vrai, mais j'accepte. Mais je peux lui dire quand même, non, c'est pas président. Quand même, toi aussi, c'est pas la vérité. C'est pas parce que je te suis que je sais c'est pas vrai, je vais dire c'est bon. Il faut quand même réfléchir. Vous êtes des êtres humains. Vous êtes des êtres, ces gens-là. Toi, tu dis, toi, c'est pas vrai. Puis tu dis, tu sais que c'est pas vrai, mais tu es obligé. Tu gagnes quoi dans ça? Tu gagnes quoi dans ça? Ça veut dire on t'utilise seulement. On t'utilise, toi tu dis Amina, Amina, tu es obligé de lutter pour quelque chose, tu ne gagnes rien. Eux ils s'enrichissent. Toi tu n'as pas de travail, tu n'as rien à manger, tu fais un coup KO. Mais toi tu soutiens des gens qui ne font rien pour toi. Tu ne vois pas qu'il y a un problème. Tu ne vois pas, il n'y a rien de vous. Tu es malade, tu n'as même pas de quoi te soigner. Mais tu dois les suivre. Mais attends, un moment, moi j'arrête. Un moment, il faut arrêter. Tu n'as pas de boulot. Et des gens vont te mentir. Quand ils ont besoin de toi, ils t'envoient une boîte de sardines tous les 3 mois. Avec 2000 francs. Ta vie s'arrête là, quoi. Quand tu es malade, tu ne peux rien. Tu ne peux même pas nourrir tes enfants. Mais tu dois dire Amina, Amina, Amina. Mais attends, il faut réfléchir. Toi-même, à un moment donné, il faut te faire respecter. Il faut te... Parce que là, quand ils sont entre eux là-bas, là, vous vous dites Amina. Mais quand ils se croisent là, ils disent, ah, les moutons là. Les animaux, naroma nounou. Quand on a besoin d'eux, on va leur donner. Moi, je connais des gens qui sont dedans. On connaît aussi, on a nos parents qui sont dedans, qui nous combattent. Mais ils disent, c'est ça, ils rigolent. Quand ils sont avec, Ouattara même, ils rigolent. Je vais vous raconter une anecdote. Il paraît qu'il est parti quelque part un jour. Et puis, il dit, ah, j'aurais pas dû
J'aurais ne pas touché, dû ne pas toucher au ouais, parce que c'est un peuple très guerrier, très courageux, qui ne laisse pas à faire. Ce n'est pas comme nos moutons du Nord, là. Lui, il dit, il est du Nord. Il dit, ce n'est pas comme les moutons du Nord, là. Eux, ils sont facilement manipulables. Et la personne me dit, ah, la, il y a des choses, cette personne, elle est avec eux, mais moi, c'est mon parent. Il dit que oui, les moutons du Nord, là, sont facilement manipulables. Parce que quand ils sont petits, là, leurs parents leur disent que, suis ton frère, il ne faut pas enlever ton pied derrière eux, derrière ton frère. Donc, eux, ils sont comme ça. Ils sont éduqués, bêtes. Quelqu'un qui dit ça, dit, maman, j'étais là comme ça. Il dit, maman, j'étais là. Et puis, j'ai dit, hé, hey, donc c'est ça, là. Donc, il les prend pour moutons. Elle m'a appelé, elle dit, voilà, et le gars là est méchant. Si tu vois ce qu'il dit sur eux, il dit, ils sont moutons. Ils sont bêtes, bêtes. Eux, ils sont faciles à faire les choses. Et c'est la même, le même monsieur, là, il dit, que quand il est parti, et ils ont, là où il est parti parler avec le rendre visite, là, et il disait que le monsieur dit, ah, lui-même, ses médicaments coûtent cher. Il paraît que ses médicaments viennent d'Inde. Il a des, ses problèmes de santé, là. Ça coûte cher, des trucs pour que vous voulez être jeune. Ça, là, quand vous voyez comme ça, là, ça prend quelque chose pour être jeune. Voilà comment il est. Ce qu'il prend pour être jeune, imaginez s'il prenait rien. C'est des trucs qui valent ses médicaments. La personne même se plaignait que ses médicaments coûtent trop cher. Donc, famille, c'est ça, là, on assiste. On voit en Côte d'Ivoire. Les RDL, là, pour lui, c'est des moutons. Il dit facilement manipulable. C'est ça. Quand tu vois les... comment celui qui a la tête, on dirait un agouti mal nourri, qu'on nourrit pour que la viande soit remplie pour être bien vendue, là. Là, dit shérif. Quand tu vois celui-là, est-ce qu'il est normal? Et tous, ils acceptent. Quelqu'un qui dit, quand j'ai salué Ouattara, je pensais que j'avais salué Dieu. Il y a vraiment des raisonnements comme ça, des maudits. C'est des raisonnements des maudits. Mon frère, c'est mensonge, mais tu es là quand même. Moi, je sais de quoi je parle. Si je veux trop parler, je vais exposer ma famille. Nous, on a des gens dedans. Mais c'est mensonge, mais tu écoutes mensonge. Il dit, c'est mensonge. Il y a un qui disait, ah, comme Victoire, le frère Victoire qui est connecté là, il lui dit, Victoire lui explique et puis il dit que le stade là, non, RDR, non, ce jour-là, j'ai ri, juste ça, j'avais mal au ventre. Toute la journée, j'ai ri. Victoire lui dit, le stade là, c'est pas Mossi Draman qui l'a construit, mais c'est les gens, les investisseurs étrangers pour sceller l'alliance. Il dit, tu es jaloux. Non, trop balèze. C'est Moussa Baragui. Je crois que c'est lui-même qui avait dit. Il dit, le gars t'explique, il t'instruit. Il te montre comment faire pour que ta tête là, tu raisonnes par le cerveau, pas par ton anus. Mais toi, tu dis, il est jaloux. Il va être jaloux de Ouattara. Est-ce qu'ils ont le même âge? Est-ce qu'ils sont pareils? Il va être jaloux de Ouattara. Pourquoi? Ce n'est même pas de la même génération. Mais tellement ils sont moutons. Le gars te parle. Comment ton pays, si tu es ivoirien, parce que nous, Baradji là, ça, quand tu regardes comme ça, Baradji, un vrai ivoirien, il n'y a pas Baradji. Ou bien c'est un pseudo, mais on connaît quand même les nordistes ivoiriens. Ou bien c'est Nord-Burkina, c'est autre chose. Mais le gars te dit, c'est comme ça. Celui-là, c'est pas ça, il ment. Ce qu'il dit, on lui a donné là, c'est pas vrai. Qui l'a fait là, on lui a donné. Et toi, tu dis, tu es jaloux. Je vais être jaloux de Ouattara. Hervé, là. Victoire, Hervé. Il va être jaloux de Ouattara. Pourquoi? Est-ce qu'ils sont de même âge? Est-ce qu'ils sont de même président? Donc, c'est il faut être RDR, quoi. Il faut être mouton. Tu es jaloux. Tellement on a rigolé. Je dis, mais là, ça va tous. Toute la journée, j'ai dit, non, RDR, c'est le las. Quand on dit stupidité, ils ont fini. Ils ont mangé stupidité, idiotie. Juste ça, ils sont habillés dedans et puis ils attendent. Ah, tu es jaloux. Je vais être jaloux de quoi maintenant? Il va être jaloux de quoi? Hervé va être jaloux de Ouattara, pourquoi? C'est grave ça. Ah, il dit, tu es jaloux. C'est comme Julie Djedje, ma petite soeur Julie Djedje, on va dire elle est jalouse de Dominique Ouattara. Pour gagner quoi maintenant? Ils ne sont même pas de même âge. Ils ne sont pas pareils. L'autre, Dominique, nous vient, elle est pute. L'autre, elle a une vie rangée. Tu vas être jaloux de quelqu'un comme ça, pourquoi?
Oh, tu es jaloux. Tu es jaloux, dis à Hervé, tu es jaloux de Ouattara. C'est pour ça que tu dénigres ce qu'il fait. Jaloux de quoi? On t'explique. Va sur Google, Stade, Agnama, Côte d'Ivoire. C'est marqué. Mais comme ils ne savent pas écrire, quand ils, tout ce qu'ils écrivent là, c'est plein de fautes, on n'arrive même pas à lire. Donc, ils ne peuvent pas aller. Sinon, tu vas t'instruire. Moi, il y a des pays, je ne connais pas. Il y a un pays là, de la Russie là, proche de la Russie, où il y a des troubles actuellement. Je vais sur Google, je tape pour voir quelle est la cause, pourquoi ils sont en lit conflit. Et puis, tu vois des choses. Des fois, c'est des pays qui sont frontaliers. Il y a le pétrole qui dépasse d'un côté ou bien il y a quelque chose, un fleuve qui est là où l'autre pêche, où il y a trop de poissons. L'autre veut Tu vas savoir la cause des conflits. C'est simple. C'est pour toi-même, quand tu es assis quelque part, pour que tu puisses parler à l'aise, pour voir si un jour... C'est ça, on dit culture générale. Ça, tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour ça. Tu te cultives. Il y a des gens qui n'ont pas été à l'école. Moi, j'ai un petit dans le quartier ici. Il n'a pas été loin à l'école, mais quand l'enfant te parle, c'est le fils de ma voisine, laisse tomber. Un petit marié, mais quand il parle, il connaît géopolitique, tout ça. Ça me fait de la peine. J'ai dit, mais des fois, j'ai dit, mais mon fils, pourquoi tu n'es pas, tu ne retournes pas. Il connaît des choses, mais tu es épaté. Moi-même, il m'explique même les choses de la Côte d'Ivoire, qu'encore. Moi qui suis ivoirien, parce qu'il se cultive, il aime, il dit, il adore ça. Tout ce qui est l'histoire. Il connaît, il me parle des termes, des fois même, je suis... C'est un enfant qui a fait, s'il a trop fait, c'est quatrième hein, ou troisième. Mais il connaît des... Il lit beaucoup. Il lit beaucoup et il se cultive comme ça. Il dit, il adore ça. Il te sort, pourquoi tel pays a ça? Ça, là-bas, on peut trouver dans tel pays les sous-sols. Pourquoi tel conflit au Mali? Il m'a expliqué des choses. J'ai dit, waouh! C'est ça, c'est important. C'est important. Il lit beaucoup. C'est un autodidacte, c'est important. Tu n'as pas besoin d'avoir pas plus, mais pour toi-même. Et c'est un enfant qui discute avec même des cadres du quartier ici, des gens, des ingénieurs ou des profs même, hein, qui discutent avec eux. Les gens, ils sont en extase devant, ils sont très cultivés. Mais vous, là, vous êtes dans votre monde. Quand on vous explique quelque chose, hein, en tout cas, des EV. Victoire, j'ai vu. Hein? Mais quand on vous explique quelque chose pour vous cultiver, pour vous enseigner, vous vous dites que on est jaloux. Oh, tu es jaloux de Prado. Tu es jaloux de Prado. Donc, tout ce que Prado fait, là, vous cherchez même pas. C'est dans 10 ans demain, là, vous allez être là. Et puis, ah, il a fait comme ça. Mais vous, là, on vous attend. Un autre président n'a qu'à venir et puis les moutons RADP. J'ai dit, on va vous dresser. Vous n'avez pas dit vous êtes des moutons. On va vous dresser comme ça. Vous n'allez plus sortir pour manifester. Vous n'avez pas dit c'est vous qui aimez déranger les gens manifester. Quand vous êtes dehors pour manifester, on va voir. Vous n'allez plus. Vos 7 femmes d'Abobo, vos mensonges là. C'est fini l'époque de ça. Maintenant là, vous n'allez plus sortir pour manifester. Parce que vous, quand vous, les gens vous donnent ça là, vous prenez le bras. Vous n'allez plus manifester. Hein? Le prochain président là, vous n'allez même pas sortir, on va même pas interdiction. Parce que vous allez dire, vous êtes des moutons, non? On va vous compter. Vous allez être éduqués comme des moutons. Vous allez dire Amina à tous ceux qui vont arriver. Amina, Amina. Tous les présidents qui vont arriver là, vous allez dire Amina. On ne veut plus que vous protestez pour quelque chose. Vous sortez, on vous tabasse. Bâton de berger. Mouton là, on va bien vous dresser. Vous n'allez même plus faire chose. Parce que vous nous avez fait très chier. Le président Laurent Gbagbo vous a laissé trop faire. Hein, démocratie. Avec vous là, il faut la dictature. C'est ça. Quand vous parlez, on vous donne sardine. Vous ne voulez pas écouter, on vous tabasse. C'est ce qu'il faut faire. Mouton, il faut le dresser comme ça. Vous ouvrez la bouche là, on vous tabasse. Vous voulez bien, on met sardine dans la bouche. Et puis vous taisez. Vous ne voulez pas vous taire, on vous frappe. C'est ça qui doit marcher. Parce que vous là, vous ne connaissez pas la démocratie. C'est avec les autres, vous faites le malin. Ouattara, il vous maltraite, non? Tous les gens qui ont combattu pour lui, là, vous tous qui avez combattu, qu'est-ce qu'il a fait? Des anciens combattants, là. D'autres ont les pieds coupés là-bas, non, à Bobo. Ils sont assis là-bas, non? En état de putréfaction. Ils n'ont rien, aucune aide. Quand ils parlent, là, soit tu parles trop, quand on t'entend, on vient, on te soulève. Comme tu n'as pas de pieds pour courir, on te prend avec ton fauteuil roulant disparu. On n'en parle plus.
C'est comme ça, ils vous font, ils vous assassinent un à un, non? Mais ça, là, vous ne dites pas, hein? Vous ne dites pas, vous acceptez. Quand ils tuent deux, trois, vous ne parlez plus. Et ça, là, vous voulez que nous, on reste là? Quelqu'un qui fait exprès. Il tue son premier ministre, qu'il a désigné comme candidat, et puis il veut nous imposer, il veut s'éterniser au pouvoir. Nous, on n'a qu'à accepter ça. Votre Gonc Libali, là, quand vous regardez, ce n'était pas un mort vivant. C'est ça, là, nous, on va accepter. C'est parce que la femme de Gonc Libali, même, elle est bête. On a tué son mari, elle a dit quoi? Ils ont tué Ouattara, ils ont tué Gonc Libali. Vous avez peur, vous êtes là. Restez là. Comme vous n'avez pas aimé vos maris, c'est pour ça. Moi, tu vas tuer mon mari et puis je vais faire chute. Mais vous en foutez. Gonc Libali, il a une Guinéenne. Donc, elle a pris ses millions, elle est partie en Guinée. Ouattara a tout planifié depuis des années. C'est tout. Il y a des gens même qui ont dit que le docteur avait dit à Dramane Ouattara, Gonc Libali ne vivrait pas plus de 10 ans. Donc, il savait. Tu sais ça, tu ne peux pas économiser l'énergie de ce monsieur-là à se consacrer à sa famille. Tu le mets dans une course présidentielle effrénée. C'est que tu sais. Tu sais très bien ce que tu faisais. Tu sais que le monsieur, il n'en a pas pour longtemps. Donc, tu veux profiter de ça pour t'éterniser. Mais nous, on va te soulever sur le fauteuil là. Tu ne vas même pas t'asseoir dessus. Regarde le film seulement. Tu crois que les Ivoiriens vont accepter ça? L'oppression qu'on va rester encore dedans pour dire Ouattara a fait ça, on va libérer Gbagbo. Non, on est fatigué de toi, tu dois dégager, c'est tout. Tu as fait tes deux mandats, tu as imposé tes deux mandats, tu as fini et tu dois rester là. Tu as tué Gon là, c'est pas nous qui t'avons dit de le tuer. Hein? Tu as tué Gon. Tu te démerdes, trouve quelqu'un d'autre et tu laisses les autres se présenter. Trouve un pion. Si tu n'en as pas, tu dégages. Si au RHDP là, après toi, tes faux diplômes achetés sur Internet là, s'il n'y a pas un autre qui a diplôme là, dégage. C'est tout. Va. C'est pour ça qu'on vous dit, recrutez des gens intellos, des intellos. Prenez pas les bacamans, des abrutis que vous allez facilement manipuler. Alors, si vous avez passé votre temps à faire une collection d'illettrés, ce n'est pas de notre faute. Hein. Nous, aujourd'hui, là, je touche du bois. Au pays, il y a des gens. Dans tous les autres partis, ils sont multiples là-bas. Mais vous recrutez que les chauffeurs de Waro Waro et de Gbaka, des incultes qui sont là que pour m'acheter. Et vous voulez que la Côte d'Ivoire ça, reste à ce niveau-là? S'il y a trois pèlerins qui savent lire et écrire, à peine lire et écrire, et vous voulez que quoi? Chez nous, là, il y en a plein. Hein? Abdramane Sangaré, il est décédé. Il y en a qui sont là, des intellos. Et comment dirais-je, Miaka Ouroto, il est mort. Il y a des intellos. Voilà. Boum Boabré, il est mort. Il y a des intellos. Il y en a plein. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait? Une pépinière d'incultes, des gens illettrés, des moutons en liberté qui se paladent, des fauves en liberté comme les Ahmed Bakayoko, des incapables, des incultes, des illettrés. Qui se dit, son premier ministre, vous voulez obtenir quoi de ça? Donc, s'il y a un qui sait lire, qui meurt, on doit attendre. Même votre Gonc Libali, il a quoi comme diplôme? Ingénieur des travaux publics ou je ne sais pas quoi? Ce n'est pas une lumière. Ça, ce n'est pas une lumière pour dire qu'il est irremplaçable. Trouvez quelqu'un. Si vous n'avez pas là, on peut vous trouver quelqu'un, on peut vous chercher. Alors, donc arrêtez d'emmerder le monde. On va arrêter. Vous avez tué Gonc Libali, vous débrouillez. Il n'y a personne. Du balai, c'est tout. Du balai. Dégagé, on va, il n'y a rien à voir. Circuler. Si vous n'avez personne, ce n'est pas de notre faute s'il y a des incultes. On ne va pas marcher comme vous voulez. Voilà. L'excuse qu'ils trouvent, oui, au dernier tour des élections, dernier à quelques mois, j'ai perdu mon. Tu as perdu ton poulain, débrouille-toi, trouve-toi un cabri. Si le poulain est mort là, trouve cabri. Et puis tu le mets là, et puis on va avancer. Tu ne vas pas venir nous distraire. Ce n'est pas une excuse. On dit qu'il n'y a pas de troisième mandat, point barre. On ne dit pas parce que l'autre, il est mort. Hein? L'autre, il est mort. Tant pis pour toi s'il est mort. Nous aussi, on a perdu des gens. C'est pour ça qu'on dit, bon, Boabré va être candidat. Il est mort, il est mort. C'est toi qui les as tués en plus. Alors, donc arrête de nous emmerder. Si tu n'as pas, tu n'as que des incultes, tu en présentes un. On en fait une bouchée et puis on avance. Tout le monde est candidat. Ou si tu ne veux pas, tu es candidat, les autres aussi ont le droit d'être candidat. Tu ne vas pas dire, toi tu choisis qui va être candidat en Côte d'Ivoire. Puisque toi-même tu n'es pas Ivoirien. Tu sais par quel moyen tu as été Ivoirien. Donc tu n'as rien à trier et fous-nous la paix. On ne veut pas de toi.
c'est tout. On ne veut pas. On peut faire encore une concession, dire pour la paix en Côte d'Ivoire, bon, laissons-le se présenter. Mais il faut que les autres se présentent. Toi, tu ne vas pas. Et puis, il faut accepter de plier aux règles qu'on a demandées. Contrôle des listes électorales. Voilà. On va voir tout, on va voir clair dans tout. La CEU cassée, refaite. Comme ça, on va aux élections avec des observateurs étrangers. On ne va pas aller avec toi, un croupillon comme ça, là, qui est marmailleur, avec toi, avec cette CEU-là, entubée de tous les sens. Tu crois qu'on est bête? N'importe quoi. Ça m'énerve même. Voir un apatride venir faire la loi chez les gens. Toi, tu es là, toi, tu ne peux pas être ça. Toi, tu es qui, toi? Tu sais quand tu as été ivoirien? Tu connais, non? Tu sais pas? À quelle année tu as été ivoirien? Gbagbo Laurent, il est né ivoirien. Son papa est né ivoirien, sa maman est née ivoirienne. Tout ce que tu veux écarter là, les Sorodjom, ils sont nés ivoiriens. Toi, tu es venu, tu as obtenu pour ne pas casser la Côte d'Ivoire, pour ne pas que les Ivoiriens meurent, mais tu les as quand même tués. On t'a donné la nationalité pour ça, pour éviter le désastre, mais tu as semé ce désastre-là. Donc aujourd'hui, là, on ne veut plus de toi. Voilà. On ne veut plus te voir, ta sale gueule tordue, dégage. Dégage. Si tu as tué Gon Coulibaly pour ça, là, tant pis pour toi. Tu vas payer pour sa mort aussi. C'est ça qu'il est en train de te faire mener, là. C'est ça, là. Mais sache que le Drian et tout ça, là, ils vont nous croiser sur leur chemin. Ils vont nous croiser. Le moment qui viendra, là, leurs intérêts, quand les gens vont s'en prendre à ça en Côte d'Ivoire, comment on appelle, Carrefour vont être mis en feu, là. Ils vont comprendre. Ils vont comprendre que là, là, c'est pas du jeu. C'est parce qu'on parle, on parle. Mais il y a un moment qui va arriver, on ne va plus parler. Quand ils vont commencer à faire du mal, là, on ne va plus parler. On ne va plus parler et puis on va se gérer. Alors, vous pensez qu'on a peur? Nul n'a le monopole de la violence. Nul n'a ça. Mais depuis, on temporise. On dit, ce n'est pas grave. On va faire comme ça. On va parler. On va leur parler. Mais ça va continuer combien de temps? Ça va continuer combien de temps? Hein? Ça va continuer combien de temps? On ne peut pas continuer comme ça? On ne peut pas? Le pays appartient à quelqu'un. Tu as trouvé des gens en Côte d'Ivoire. Toi-même, tu sais que tu es des Sindou, tu n'es pas ivoirien. Qu'est-ce que tu as à nous emmerder? Et la France, ce jeu-là dans lequel ils sont là, ils se trompent. Ils se trompent. Ils pensent que, parce qu'ils disent, ah ben les Ivoiriens, ils vont se lever, un petit foyer là, ils vont bouger à gauche, à droite, et puis il faut éteindre les foyers là, et puis ils vont se calmer, ça ne va pas. Cette fois-ci là, ça va faire long feu. Hein. Ça va faire long feu, ça va toucher vos intérêts. Ça va faire long feu. C'est fini l'Ivoirien. Vous pensez que quoi? C'est toujours comme ça. Hein? La liberté, là, c'est long, c'est dur. Mais quand on l'obtient, on l'a pour toujours. C'est long, c'est dur. On est en train de vivre notre karma. Mais ça va finir. On ne va pas commencer et puis s'arrêter. Quand on commencera, là, ça va être jusqu'à la fin. C'est avant même vous avez menti pour dire à chacun son français, ça sera cette année-là. Ce n'est pas chose dans 10 ans. Ni chose. C'est quoi? Vous allez tuer les gens comme ça pour vos intérêts, sans même penser à la souffrance des gens? Toi, Macron, tu es dans quoi? Et puis, quand on va finir avec Ouattara, on va se mettre en ordre de bataille. Tous nos enfants, ils vont s'inscrire, on va faire un comité, puis on va voter contre toi. Tu vas partir. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vas partir. On a déjà nos enfants. Moi, mes deux enfants sont majeurs. J'ai mes neveux pleins qui sont déjà. Je suis en train de leur parler, là. On va se mettre en équipe, et puis on va voter contre toi. Contre toi, Macron. Il faut jouer seulement. Tu penses qu'on est bête? Toi, tu vas venir ici, souffler ici, blaguer, et puis aller là-bas faire autre chose. C'est fini, ça. Fini. Ce marchandage-là, c'est fini. Ce jeu de yo-yo là, dans lequel tu veux nous mettre, on a vu clair dedans. On va gérer ça propre pour te donner. On va gérer ça. Toi, dès qu'on chasse Ouattara, on va te chasser d'ici. On va te chasser d'ici. Voilà. Que quoi, on est fatigué de ces bêtises là. On est là, oui, il va faire ça. Ils ont lâché, ils n'ont rien lâché du tout. Ils n'ont pas lâché Ouattara. Sortons de là, mettons-nous en ordre de bataille. C'est tout. Le samedi là, soyons prêts en soutien à nos frères ici à Paris. Il faut être prêt. Il faut gber le coin. Il faut être prêt à Paris le 10. De Saint-Michel au Panthéon. Rendez-vous à 14h à Saint-Michel. Il faut être là. Il ne faut pas rater.
Il faut être là. On a besoin de tous les Ivoiriens. On a besoin de tous. On ne peut pas laisser passer ça. Les Ivoiriens doivent sortir. Sortez massivement. Sans distinction de parti politique. Ce sont les Ivoiriens, les Amazones qui organisent ça. Venez massivement. Et le 17, il y a une grande marche panafricaine de nations à république. Venez massivement. L'heure n'est plus à la division. L'heure n'est plus au jeu. Venez massivement pour dire non à Dramane Ouattara. Pour dire à Macron ce que tu es en train de faire. Il faut arrêter. Il faut être ferme avec ce psychopathe-là qui sait que tu es. Hein? Ce despote-là qui sait que violer les Ivoiriens. Donc il faut arrêter. Et il faut l'accuser parce qu'il est responsable. Ce qui va arriver là, ils sont responsables. Quand tu entends le discours de Le Drian là, vous pensez que quoi? C'est pas à lui de juger. Mais quand le président Laurent Gbagbo était là, vous les microbes blancs là, vous étiez en dessous en train de titiller, de secouer dedans pour lui créer tous les problèmes. Aujourd'hui là, vous voyez la vérité, vous êtes en train de chercher. Lui, je vais faire sa lettre ce soir, je vais dormir tard même. Hein? Je vais faire sa lettre. Parce qu'il faut qu'il respecte les gens. C'est les mêmes là qui ont foutu la merde en Côte d'Ivoire. Hein? Maintenant, aujourd'hui, ça arrive là parce que l'autre, il vous a donné toutes les richesses dont regorge la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas parler. Que oui, il y a ingérence. Mais ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire, là, ça, je vais le dire dans ma lettre. Ce que vous avez fait là, c'était l'ingérence aussi, non? Hein? Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'était une ingérence de la France. Mais aujourd'hui, là, vous ne voulez pas vous ingérer. Hein? Mais quand on va commencer, restez là où vous êtes. C'est ce que je vais lui dire. Quand on va commencer là, restez là où vous êtes. Mais sachez que ça va commencer. Restez où vous êtes. Hein? Bien là où vous êtes pour les intérêts de vos ressortissants. Pour protéger vos ressortissants. Ne levez pas votre 43e bima qui reste là où il est. Parce qu'il ne faut pas venir, quand ça vous arrange, vous venez pour dire que, si c'était le président Laurent Gbagbo, vous allez dire pour protéger la population, les civils. Mais là, là, vous ne dites rien. Vous ne dites rien, bande d'enfoirés. Vous nous avez dit, hein, les pays n'ont pas d'amis, ils ont les intérêts. Ok, c'est bien enregistré, ce n'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Attends, faut arrêter. Restez dans vos coins, nous on préfère ça. On préfère passer Dramane Ouattara. Nous, si ce n'est pas vous là, Ouattara ne faisait pas le point. La rébellion ne faisait pas le point. Mais là, 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 vous êtes venus. Hein, comme quoi vous devez sauver. Vous êtes les oraux, les pompiers qui viennent éteindre le feu. Mais là, 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 c'est ingérence dans un pays. Mais quand on va commencer, venez pas vous ingérer. Hein. Venez pas. Hein. Si on vous demande là, dites que c'est entre Ivoiriens. Dites que c'est entre Ivoiriens. N'importe quoi. Attends, des plaisantins comme ça, là. Voyez, troisième mandat et puis vous faites semblant de ne pas voir. Ah, ben, disons. Et demain, 10 ans après ou 50 ans après, c'est pour faire des reportages. Dis la vraie vérité pendant que vous avez tué. La même chose que vous faites aujourd'hui pour les reportages au Cameroun et tout ça. Vous avez tué Mouyobé, vous avez tué, comment il s'appelle, là du Congo, Kinshasa, là. Bon, ça va revenir. Lumumba, là, aujourd'hui, vous dites la vérité. Pendant que vous avez tué des gens, c'est 50 ans après ou 30 ans après que vous venez dire la vérité. Toi, Le Drian, tu vas dire que, comment dire, tu ne veux pas t'ingérer. Reste là où tu es. Hein. Faut pas bouger même. Faut pas même t'ingérer. On préfère que tu restes là. Mais quand ça va commencer, venez pas. Hein. Venez pas. Vous allez voir cette année. Nous, on vous regarde. On vous regarde seulement. On est là comme une maison inachevée et puis on vous regarde. Donc, famille, je pense que j'ai tout dit. C'est votre soeur Naomi Vétiédé. Partagez massivement la vidéo. Celui qui veut intervenir, ben, de m'envoyer une invitation. Partagez massivement la vidéo. Et voilà. Je pense avoir tout dit. Et voilà, c'était mon coup de gueule. Donc, le 10, même si tu es malade, si tu es malade, je ne te souhaite pas ça. Loupe pas ce rendez-vous au Félicia. Loupe pas ce rendez-vous-là, parce que la Côte d'Ivoire a besoin de toi. Ne dis pas, Dramane va vous mettre les bâtons dans les roues.
C'est ça qui va faire l'histoire que tu vas raconter à tes enfants, tes petits-enfants. Moi, j'y étais le 10. Ouattara avait bloqué tous les cars. Ouattara avait demandé au bus de ne pas sortir. Et on a marché de Yopougon, on a marché de Kumasi jusqu'au plateau. Ça, c'est une histoire à conter à tes enfants. Pour dire à tes enfants, pour la patrie, l'amour de la patrie, là, c'est des sacrifices qu'il faut faire. Et moi, je les ai faits. C'est ça. Chaque personne doit avoir une histoire à raconter. Moi, j'ai fait, j'ai mon histoire. Ma petite soeur Edith Denenya, elle a son histoire. Elle et moi, on a une histoire. Et Marcus, on a une histoire commune. C'est important. Chacun doit laisser une trace sur terre de son passage. Et toi, ton passage sur terre, tu dois laisser une trace sur, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire que j'y étais. J'y étais pour la libération de la Côte d'Ivoire, le 10 au Félicia. J'y étais. J'ai marché, j'ai bravé la fatigue, j'ai bravé la maladie, j'ai bravé la faim pour aller jusqu'au Félicia. Et j'étais à Bobo, j'étais à Yopougon, j'étais à Tiekoubé, j'étais à Djamé et j'ai tout fait. J'étais à Bobo Doumé, j'étais même à Bassam, j'étais à Dabou et je suis venu. Vous qui avez les voitures, famille, fonctionnaires, vous qui avez les voitures, mettez-les à la disposition à transporter vos frères. Les chauffeurs de Baka, vous qui aimez la Côte d'Ivoire, les vrais Ivoiriens qui sont là pour l'amour du pays, qui ont la crainte de perdre la Côte d'Ivoire, mettez vos cas à la disposition de la jeunesse. Ne suivez pas l'ordre de Dramane Ouattara, le déstabilisateur, le tueur. Mettez vos cas, vos Baka, à la disposition de vos frères, vos voitures à la disposition de vos frères. Il faudra 1 million, plus d'1 million de personnes au Félicia. Je vous en prie. Pensez à la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de perdre la Côte d'Ivoire. Il nous reste un bout à sauver. Il nous reste un morceau dans les mains pour récupérer tous les autres morceaux. Famille, on compte sur vous. On compte sur vous. Le Félicia vous appelle. Le Félicia vous attend. La Côte d'Ivoire vous supplie de venir la secourir. On est ensemble. On est ensemble. Venez massivement. Est-ce que le président Laurent Gbagbo peut compter sur vous? Est-ce que le ministre Charles Blé Goudé peut compter sur vous? C'est de ça il s'agit. La Côte d'Ivoire. Je vous aime. Bonne soirée. Bisous, 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 bisous. Bye bye. Au revoir.